Ja, FC Dender tegen Oudenaarde vanavond 0-1 voor Oudenaarde en we gaan even napraten met onze centrale verdediger Kevin Niekeisen. Oui Kevin 0-1 contre Oudenaarde? Ça peut arriver naturellement. Euh, la première mi-temps de Dender était, était bon, euh, beaucoup possession de balle, euh, mais très peu d'occasions quand même. Oui, c'est vrai que 0-1 domicile, ça, ça peut arriver, maar in onze situatie zijn we in phase fase peu négative. Non, on en a 0 sur 9, donc euh, ça, ça devient urgent de prendre des points. Et, euh, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y avait la possibilité de, de gagner ou au moins de faire match nul. Parce qu'on était bien organisé, comme vous avez dit en première mi-temps, on a, on a bien joué, on a bien fait circuler le ballon. En deuxième mi-temps, un peu moins, mais bon, on n'a pas concédé trop d'occasions. Et, euh, et voilà, ça s'est joué sur un détail. Ça aurait pu tomber aussi bien pour nous, et mais non, malheureusement, c'est tombé pour eux. Oui, un peu de malheur quand même, parce que d'abord, on avait la première phase, c'était le 0-1. Est-ce que tu peux un peu décrire euh, ce goal, ce but bah, C'est un, un coup franc qui est, qui est bien donné en première zone. Euh, on savait qu'Odenard était fort sur phase arrêtée, Marc souvent sur phase arrêtée. Donc on était bien en place mais euh, malheureusement il y a eu une, une incompréhension euh, dans la défense et je pense que le joueur a été gêné ou poussé et la balle est rentrée dans le but malheureusement et, et voilà c'est un détail et... et... Malheureusement, c'est contre nous et, euh, et voilà. Dix minutes après, on touche le poteau, donc voilà, on a eu. C'est ça. Mais, mais le but, le but, c'était un on goal ou ouais. c'était, oui, c'était un on goal. Oui, effectivement. Alors deuxième phase, c'était le but contre, le, le shot contre le poteau de, de Casagolda. Ouais, Malchance ça. quand même. Ouais, pour le même prix, c'est dedans. Si le poteau il est un peu mouillé, je pense que la balle elle fait poteau rentrant. Et voilà, c'est malheureux et comme je vous dis, on est dans une spirale un peu négative, donc euh, c'est dommage que ça arrive maintenant. Mais voilà, il n'y a, a rien qui est fait, il faut, faut se reconcentrer, parce que euh, je suis sûr qu'on peut arriver à faire quelque chose de, de bon cette saison, mais il faut se reconcentrer tout de suite. Oui, encore euh, une troisième phase qui était un peu malheureuse, c'était la deuxième carte jaune pour euh, Jérôme Nolvo. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on ne savait pas très bien bah, Moi, j'ai demandé la, la raison à l'arbitre, et il me dit, parce que je lui ai dit que la faute, était... Ouais, il y avait une faute, mais c'était n'était pas quelque chose de, de grave. Et il me dit qu'apparemment euh, il a râlé et qu'il l'a exclu, exclu pour ça, mais je pense que c'est un peu sévère parce que le match s'est bien bien déroulé, il n'y a, a pas eu de, de faute méchante, il n'y a pas eu d'agression. Donc je ne comprends pas pourquoi il va sortir une carte jaune comme ça, enfin une deuxième carte jaune à cinq minutes de la fin, il n'y avait aucune raison. Ja, even kort vertalen wat Kevin allemaal verteld heeft. Dus de eerste helft uh, speelde Dender vrij goed. Uh, goed georganiseerd. De bal ging circuleerde goed rond. Het meeste balbezit was voor Dender. Zonder evenwel uitgespeelde kansen. tweede helft kwam Oudenaarde dan toch wel iets meer in het spel. En er waren drie uh, belangrijke fasen. De eerste fase was het doelpunt. Het aandoelpunt van een verdediger van Dender. Uh, een zeer goed aangesneden vrije trap. Uh, in de eerste zone van de verdedigers werd dus ongelukkig in eigen doel verwerkt. Tweede belangrijke fase. Een mooie trap. Tien minuten voor het einde van Casagolda tegen de deklat. Dus dat is dus uh, pech voor Dender. Want normaal kon het daar 1-1 zijn geworden. En dan nog een spijtige fase. Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd. Tweede gele kaart voor Jerome Nolvo. Wegens, uh, ja, wegens protest tegen de scheidsrechter. En uh, Dender moest met tien verder. Het bleef dus bij 0-1. En dat is dus uh, spijtig, zegt Kevin Die Want we zitten in een negatieve spiraal. We hebben 0 op 9. En het is spijtig dat we van. C'est uh, uh, vrai Kevin, uh, un peu de malchance ce soir, mais qu'est-ce qui se passe en déplacement 0 sur 9, uh, 10 buts uh, encaissés, 0 uh, uh, marqués. Uh, Est-ce que Dendreth est une toute autre équipe en déplacement qu'à que, que la maison bah, Je pense euh, au niveau football, en tout cas c'est flagrant qu'à domicile on développe un bon football. Et, euh... On est très bien organisé même défensivement, on n'a pas trop d'occasions contre. Euh, par contre, à l'extérieur, euh, souvent on se crée les premières occasions en début de match, comme ça a été le cas à Winkle, même à Ruppelbaum on a eu quelques possibilités, on ne marque pas. Et malheureusement, une fois qu'on encaisse, euh, on a du mal à réagir. Et euh, c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce que voilà, même si c'est euh, 1-0 contre nous, il bah, y a toujours moyen de, de revenir dans le match. Et euh, c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Oui, une petite excuse peut-être. 5 blessés, j'ai vu ce soir, plus encore l'américain là qui n'est pas encore qualifié. Euh, pour l'entraîneur, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le banc maintenant. Oui, bien sûr. C'est clair qu'on n'a on a pas un grand noyau. Je veux dire, c'est presque si on a 11 de base et, et puis que des jeunes du club. Donc c'est une politique que la direction a choisie. C'est bien pour les jeunes, mais c'est leur premier match au niveau national en Division 3, donc ils font leur possible. Et, nous les anciens, on doit les, les encourager. Ils se, ils se débrouillent plutôt pas mal. Mais euh, dans des moments difficiles comme ça, c'est difficile pour eux de tirer le groupe vers le haut. Donc c'est vrai que dès qu'il y a un suspendu, un blessé et tout, bah, ça devient très compliqué pour nous. Euh, donc voilà, la semaine prochaine, dès qu'il y a un joueur qui sort de l'équipe, c'est compliqué. Le, le coach est mis en difficulté. Et il faut faire jouer des jeunes de 16, 17, 18 ans qui n'ont aucune expérience en division 2. Donc euh, voilà, c'est problématique, c'est un problème, c'est clair. Ja, dus de vraag was uh, is Dender een andere ploeg op verplaatsing dan thuis? Want op verplaatsing, inderdaad, zoals we weten, uh, een 0 op 9 gehaald. Terwijl uh, Kevin zegt, we spelen eigenlijk niet echt slecht op verplaatsing. We beginnen niet slecht in elk geval. We creëren de eerste kansen. We maken ze niet af en dan krijgen we een doelpunt binnen en dan valt het uh, systeem een beetje in elkaar. Daar moet aan gewerkt worden. Het is een totaal nieuwe ploeg. De automatismen moeten nog uh, misschien beter uh, ge uh, gecreëerd worden, beter ingeslepen worden. En uh, uh, ook de vraag of de vele gekwetsten, want er zijn uiteindelijk vijf gekwetsten en een speler die nog niet gekwalificeerd is. Uh, inderdaad, we hebben een smalle kern, zegt Kevin. Uh, de jeugd krijgt veel kansen hier in Dender. Dat is een politiek die de directie heeft gekozen. En uh, de jonge spelers doen het niet slecht, maar het is uiteraard niet evident om dan in derde nationale afdeling toch direct een hoofdrol te vertolken. Voilà, je vous remercie, Kevin, voor dit interview. En veel succes nog met Dender. En we